Alors, Spéluki, Spéluki, que c'est? Moi, ça va être ça va être plus tranquille pour y jouer maintenant que j'ai débloqué ce foutu passage secret. Ah. Je me suis depuis en fait, depuis que j'ai joué avec toi, je me suis acharné à débloquer les passages secrets, les uns après les autres. Alors, les premiers sont... Ouais, je ne spoil pas le nombre qu'il y en a, ni ce qu'il faut. Mais les Ouais. premiers sont pas si compliqués que ça, même si j'avais galéré un moment, je sais plus. Je sais même pas si c'est pas toi qui m'avais donné un tips pour en débloquer un. Ouais. Et le dernier à débloquer, il y a vraiment un truc, c'est vraiment un sacré défi d'arriver à le faire. Oh. Et voilà. Et puis j'ai même. La semaine dernière, à un moment, tu vois, après avoir passé 2 jours à essayer, j'ai vraiment. Il y a un moment, c'était vraiment. J'étais parti en mode. Ben, je vais aller voir s'il y a pas. Un moyen que ce soit plus facile. Ah oui, et il fallait qu'on joue en remote play, non, sur celui-là. Je sais Je plus. crois. Je crois que tu dis vrai. Va Donc du falloir coup, vous déplanquer, monsieur petit Seb. il faut que tu me... Tu... Ouais. Je Encore que, dois... il a l'air d'accepter que je t'invite en planqué. Oui, même si oui, si tu cherches le nom de la personne. Oh mon Dieu. Oh, il y a le golo lui. C'est parti, mon kiki. Et depuis que j'ai débloqué ce perso, je ne joue qu'avec lui là. Et D'accord, avec le viking. son petit string noir là. Moi, je suis le technicien, moi. Alors, salopette, but de travail. Toi, tu vas trop vite. Oui, c'est parce que j'ai mis courir. Bon, c'est une partie du début. La partie du début. Et de toute façon, j'ai remarqué, les passages secrets, tu ne peux les débloquer qu'en solo. Ah! Oula. Si tu veux les débloquer. Oups, pardon. Voilà. Souvenir. Ouais, ça commence déjà. C'est ça. Faut te souvenir des tas de choses, mon dieu. Voilà, mais comment tu fais? Incroyable. Enfin, je mets deux fois plus de temps, je prends des photos moi entre temps. Ça touche quoi? En plus, ça permet de passer par-dessus les trous. Bon. Bah oui, je vois ça. Ah oui, c'est vrai que t'es bloqué sur la vue du drapeau, c'est ça? Oui. Oui. C'est dangereux par ici. Dangerous. Mais il faut bien chuter. Ah mince. Pas mince. Il y a des bombes. Que des ennemis dans les jarres, c'est un scandale, surtout au premier niveau. Attends, flèche pigée. Attends, je vais. Ouais, recule, je vais utiliser une bombe, ça sera plus simple. Waouh, il y a des diamants. Il y a de magnifiques pierres précieuses. J'en tombe de l'échelle. Tellement j'en reviens pas. Je vais prendre le waf waf. Venez, waf waf. Je prends une. Monsieur Canigo. Je sais plus, ça donne un cœur à tous les deux ou pas? J'espère. Ah non, c'est non, moi qui ai les couilles.
Je pense que ça donne qu'un cœur que celui qui le ramène. Ouais, c'est le sauveur qui est récompensé, pas la troupe. Hein? Non, c'est moi qui ai plus de cœur. je sais plus. Oui, c'est moi. Non, c'est toi qui ai plus de cœur. Oui, non, ou alors on l'a tous les deux, parce que souviens-toi que je me suis mangé une gamelle. Non, j'ai peut-être perdu. Oui, mais moi aussi, on était tous les deux à trois. Alors, d'après toi, qu'est-ce qu'on doit acheter? La boussole. La je boussole, c'est lui. Un emballage. Voilà. Ouais, ça dépend ce qu'on veut faire. Si on joue tranquillement en descendant. Je sais pas, c'est tout. Voilà. T'as temps, plus d'expérience que moi. Ou la vie des limites. Putain, le con. Oui. Désolé. J'ai eu baba. En plus, c'est toi qui as pris tarif, baba. Du coup. La grosse. Hein. La grosse. Gertrude. Elle arrive, la grosse Gertrude. Attention. Aïe. Ah bah, il y a la blonde juste en dessous. Venez avec nous. Par contre... Ah non, merde, trop tard. Mais il aurait peut-être fallu me la laisser, la blonde, parce que... Pourquoi? Toi, t'as 4 cœurs, moi, j'en ai plus qu'un. Hein. Ah, pardon. Oui, c'est vrai. Bon, on va y aller, hein, de toute façon. On emmène le coffre, juste pour rigoler. Si tu veux. Ah bah non, faut le laisser sur place. Ouais. Je savais pas que tu étais de ce bord-là, le sale. Mmh. Petite bombe. Ah, le caillou m'a fait peur. Allez, et la blonde est à moi. Attends, je remonte la vue en dessous. Ouais. Oui, comme tu dis. Ah, j'ai pas pu m'accrocher. Heureusement que j'ai du bol. Oula, oui, attention. Il y a un coffre fort en dessous. J'ai été explosé, fort de chaud. Oh merde. Si tu cours. Oui. Si tu cours pas, tu... Ah! Hein? À quel moment? Je pense que ton saut a été tellement terrible. Bah non, j'ai tué le mob. Oui, bah vous êtes. Bah tu peux te barrer. Ouais. Je vais me barrer. J'espère que le 2 sera mieux géré quand même au niveau du multi. Oh, un scorpion de mes deux. Ah, ah oui, il y a des mobs à acheter. Ah, je suis tombé dans... Ressort. Attends. Ah, j'ai passé de thunes. Ah, je peux acheter des petites bombes. Ouais, c'était pas forcément nécessaire. Une petite... Aïe. J'ai essayé de la sommer autant que je pouvais, mais... Attends, je comprends pas. Attends, le paquet cadeau, je l'ai pas défaire, je l'ai acheté. Oui, mais prends-le. Bon, voilà, c'était sûr. C'était sûr que ça allait mal se passer. Ah, configuration de merde. En fait, une fois qu'il est acheté, tu peux le, t'sais, te baisser et l'attraper, comme n'importe quel autre objet. Mmh. Il faut vraiment les... Et ça, c'est le problème. Tu vois, c'est le problème quand t'es en multi, quand t'es en solo, ça achète, c'est tout. Ouais, c'est... Bref, crotte. Peu de ton blond, surtout. Ça c'est bien joué. Parce que les caisses elles sont. Voilà, c'est les caisses sont toujours intéressantes, c'est soit des bombes, soit une corde, soit un objet. Attends. Non, c'est bon. Pas le coup. Le jeu on veut pas acheter d'alcool.
Merci. Hop là. Je vais péter ça. Ah, je suis approché. Hop là. Non. Non, en fait, c'est toi qui portes le blond et moi qui te porte le toit. Bon, bombe qui va se... Hop là. Non, il y a quelque chose de... Un peu de thune, déjà. Un petit peu de thune. Il y a combien de thunes au-dessus? Il peut-tu... Oh, joli. Oui. Il y a comme le courant. C'est la gâchette arrière en droite, normalement. Une des deux gâchettes. Ouais, ah, si, c'est ça. Ouais, j'ai trouvé. Comme tu dis, effectivement, c'est l'arrière droit. Putain, c'est pas évident. Mon cerveau refuse certains trucs. Son blond. On veut pas savoir ce que le sage fait. Oh, il y a des choses dans ce passage. Je te laisse prendre l'autre caisse au-dessus. D'accord. C'était des cordes. Est-ce que ça vaut... Ouais, non, y'a rien. Tissu ? Bah, y'a qu'une araignée. Ah oui, tissu. Tu as raison. Tu as le coup d'œil. C'est vrai, c'est vrai. J'avais pas vu à l'extrême gauche. Mais je crois qu'il y a un, succès. Bon, jamais je le ferai, hein, je le dis tout de suite. Hein, c'est aller jusqu'au bout du jeu en moins de 10 minutes. Quoi, hein, comme... Ah oui, voilà, il y a des trucs de fou furieux. Non, puis je sais plus, il y a un truc, le défi absolu ici, c'est parcourir tout le jeu avec la courgette. Alors j'avais expliqué comment on obtenait la courgette. Et en fait, il faut balancer la courgette sur le vrai boss caché du jeu. Qui va se transformer lui-même en énorme courgette. Et c'est la fin ultime ultra rare. Sauf que pour avoir le boss ultime caché du jeu, il y a un certain nombre de choses à faire. Ouais. Et c'est qui nécessite aussi des objets. Donc, voilà. Comme par exemple cet œil-là. Là. Oui, l'œil de Kali. La divinité, Kali. Lui, il a rien d'intéressant. Non, oui, c'est d'un ennui ce qu'ils vend. Encore la pioche, mais bon. Non, mais les deux objets que je trouve les plus intéressants, on va dire trois. Bon, t'as les bombes, les cornes, mais ça, c'est les outils de base. Mmh. Et ensuite, ça va être gants d'escalade et la cape. Ouais. La cape qui permet de planer et du coup de pas prendre de dégâts de chute. Mmh. Et le gant d'escalade qui te... Tiens, vas-y, prends-les. Oui, qui te permet de faire la grimpette. Oui, merci. Bah, et qui te permet de t'accrocher à n'importe quel mur, à n'importe quelle hauteur, même si t'es pas au bord. Donc... attends, hop, on a besoin de ça. Non mais t'es sérieux? Ouais. Voilà, voilà, voilà. Ça c'est fait. Ouais, bah ce coffre-là on va l'oublier. Je le crains. Passer par au-dessus. Oui, on voit la configuration de mort. Oh là là. Attends. Là. Ici. Oh, joli. Ah, il y en a un autre en dessous. Là. Ouais, bien. Et merde. Ça, c'est moche. C'est moche. Wouah, l'enfoiré. Je sais pas où elle est sortie. Je pense qu'elle est à gauche. Ouais. Oui, une scène. Oui, c'est cool. T'es dispo. Donc, une scène. Je fais durant 7 heures Spend Lucky avec Petit Seb. Je 18h, 18h30, je fais mes appels téléphoniques. Et crois-moi qu'à 18h30,
Voilà, t'es le chef de cérémonie, on joue autant que tu veux, à tout ce que tu veux. Donc dis-toi que t'as une heure devant toi, là, Thunsen. J'ai pas tout compris. C'était une... Ah, putain, pardon. Bon, ben voilà, ça c'est réglé. Qui est le connard qui m'appelle au téléphone? Ouch. Saleté de frère qui me raccroche au nez en plus au moment où j'ai... Oh. Putain, et ce téléphone, bah, il est parti, je sais même pas où. Ah, t'as paumé ton combiné téléphonique? Ouais, je l'ai fait tomber. Ah merde. Il est parti en glissant. Ça fait de voir se dépêcher. Allez, je te jure, hein, j'ai hâte d'être chez moi, il y aura même pas de téléphone, personne prend mon merde. Ouais, bah. Et le pire, c'est que normalement j'ai une ligne téléphonique avec mon truc orange, donc j'ai un numéro de téléphone que je pourrais donner aux gens en leur disant appelez-moi, vous inquiétez pas, personne répondra. Alors. Pas la meilleure des idées, mais... C'est une idée. Ouais, je serais toi, je... Ouais, pourquoi pas. Attends. T'allais, je vais souffler, là. Ah oui, il faut une dizaine de sous sur sa tronche pour... Oh non. Tout a explosé. Non, parlant de téléphone et d'appel non désiré, moi j'étais surpris aujourd'hui, ça faisait très longtemps que j'avais pas une machine de trucs commerciaux en disant appuyer sur un pour avoir nos conseils, pour demander je sais pas quoi, de souscrire à l'offre. Et ça fait très longtemps que j'avais pas eu l'enregistrement de la machine qui a été capté par mon répondeur. Généralement ça raccroche avant. Et là je sais pas pourquoi j'ai eu un morceau du tube, si je puis dire, du blabla enregistré, capté par mon... Ah, tu vois, on a fait ces objets. Ouais. Donc maintenant, je saute plus haut. C'est bah. Capté par mon répondeur. Hop. L'étoile d'araignée pour arrêter les chauves-souris. Attention, je vais faire péter la caisse. Ça a ouvert les accès. Est-ce que ça vaut le coup? Moi je dis oui. Là où t'es, tu mets une bombe. Mets ta bombe. Ici, monsieur. Attention, le caillou. Voilà. J'ai toujours peur de le faire dessous. Laisse la caisse. Oh, j'ai trois cordes. J'ai merveilleux. Je prends le caillou avec moi. Toujours avoir un objet. Même, tu vois, même un bout de flèche comme ça, c'est utile. Surtout quand tu passes la porte. Bah, oui. Moi, à force de... d'essayer... Ah. Quoi, ah. Bah, là, ils sont fermés. Bouge plus, je reviens. Oui, je bouge plus, je bouge plus. Aussi bien, je pourrais avoir un coup de peinard. Pourquoi j'ai un compte à rebours? Non mais arrive à grimper, putain. Une corde, non? Une petite corde pour ça. Oh oh. Je crois que le fantôme t'aime beaucoup. C'est un problème.
Eh bien, ce jeu rend fou. Mais il y a une fois, j'ai eu le fantôme, j'ai réussi à choper le... C'est un chien aussi. Le ramener jusqu'au truc avec le fantôme au cul, repartir chercher un objet que j'avais laissé dans le niveau et repasser la porte. J'ai transpiré un peu. Je pense bien. Je conçois. Oh là là. Ah non, j'ai loupé mon tir pour le truc à flèche, un peu comme ça. Voilà. Yes, il a la boussole. Yo machin. J'ai acheté pour 10 francs. Oh non, je suis tombé. Chez le machin. Oui, puis le fantôme, tu te souviens? Quand tu le fais passer dans les joyaux, les diadèmes, ça les transforme en diamants, qui a plus de valeur. Oui, je me souviens. Mais là, je dois t'avouer que des fois, quand tu l'as au cul... Là, avec les bottes que j'ai, en sautant plus haut, je peux l'attirer et courir et lui sauter par-dessus. Elle va mourir, elle va mourir. Mais j'arrive pas à la tuer, mais elle me rend fou. Bravo, tu es le meilleur. J'irai pas jusque là. Ah, il te manque les bombes, c'est ta frustration. Il faut autant en mettre en bas en vrai. Bref, c'est pas grave, on y va. On s'enfuit. On s'enfuit, genre à biscuit. Ouais. Ah. Oh, la clé. La clé du coffre, mais caca. Oh non, pas dans l'équilibre, j'ai lâché mon rocher. Ouch. Rocher. C'est pas la friandise chocolatée. Oula. C'est plus de risque. Oh, joli. Chabao. Ah, magnifique. Ah, je pensais que mon caillou allait passer. Bon, moi, j'ai tué un squelette. Vas-y, à toi l'honneur du coffre, évidemment. Après, le coffre, il n'est pas si utile que ça, en vrai. Ah! Parce que t'as plusieurs. En fait, l'œil te sert à trouver, tu sais, le monde des marchands là. Mmh. Le monde des marchands, tu peux très bien le trouver sans. Mmh. Ouch. J'ai glissé les chefs. Ouf. Ah, t'es passé en dessous en même temps. Désolé. Non, t'inquiète, c'est pas grave. La roue de l'infortune. Ouais, bon, pour gagner ça, c'est pas la peine. Allez, on y va. Comme tu veux. Ben, c'est parce que je sais pas ce qu'on a à gagner, s'il nous faut des bombes ou quoi que ce soit. Mmh. Ça vaut pas le coup de s'embêter. Ah, c'est pas facile hein, de lire parfois les niveaux. Ouf, bien content d'avoir mon caillou. Bouche. Oh, joli. Maîtrise. Au revoir. Maîtrise cet homme, c'est merveilleux. Même Marine qui va déclencher. Ah, pardon, beaucoup, c'est un honteux. Un peu trop, ouais. Ah. Non, la caisse n'est même pas explosée. Non, j'en reviens pas. Alors, ambitieux. J'ai réussi ce que je voulais faire, qui était de taper la chauve-souris en descendant. Mais le fouet est resté trop longtemps. Voilà. Tu fais attention, tu sautes de deux cases maintenant et non pas d'une. Ah oui, c'est vicieux. Tu fais bien de me le dire.
Oh, mon écran a une défectuosité. Il s'est éteint pendant 2 secondes. J'espère que c'est pas la chaleur qui fait griller l'électronique. Faut que je fasse gaffe. Oh, j'adore semer le bordel. J'adore. Je suis fou. Dangereux ce truc. Il y a un autre marchand. Prends le truc pendant que tu l'as. Eh oui, que je l'ai honteusement désacralisé. Alors, promenons-nous pas dans les bois. Pendant ce temps-là, c'est moi qui ai les fouets. Attends. Regarde vers le bas, là. Si petit Sabi était... Hein, bon. Mais c'est la sortie. Oula. Merci. Et ben voilà. Bien joué. Miggy. Ah, la jungle. In a jungle, jungle. C'est quoi le biome le plus bas que t'es descendu, toi, le sage? La glace. La glace. Premier niveau de la glace, je suis jamais au-delà du... Ah non, j'ai des bêtises. Si, j'ai déjà franchi un niveau de glace. J'ai dû aller au deuxième niveau de glace, peut-être au troisième, mais c'était... Parce qu'il y a, une... il y a pas fou. Une fois où t'avais essayé de tuer l'alien avec des... Ah non. Ah, l'alien qui fait les trucs télépathes. Oh, la saloperie. Ouais. Je l'ai eu 2 fois, et 2 fois, elle m'a torturé. Ça c'est très bâtard, putain. Ouais, de mettre l'entrée dans un gros mur. Elle est là. Elle est là, l'entrée, là où je suis, ouais. Là, avec le temps. Ah oui. Donc, ce que tu peux faire, c'est... Tu prends la blonde, tu la fous dans le trou là, et tu mets une bombe, mais dans l'eau de ce côté là, en te baissant. Attends, la blonde, tu la fous dans le trou là. Balance-la de l'autre côté. D'accord. Ah non, de l'eau, laisse-la dans l'eau. De l'autre côté, laisse-la se faire. Ouais, bon. Tuer sinon. Parce que le but c'était que tu l'aies pas loin pour pouvoir la prendre et l'emmener avec toi. Ah. Bien vu, petit Seb. Alors attends. Je crois que la bombe est mourue. Non, elle est pas mourue, mais. Ah. Pourquoi putain. Tu cherches à geler le crapaud? Regarde vers le bas. Non, je cherche à le pousser. Mais il est trop gros, ça marche pas. Elle est là. Ah si, elle est morte. Elle s'est pris une pique. Oui, bah. Ouais, non, mais parce que t'as qu'un PV aussi. Donc la blonde, elle était utile là. Oui. C'est le marché noir. Le terrible marché noir. 49 000. 43 000. Je crois que c'est 50 000 d'objets qui intéressent. Ah mais tout de suite, toi, tu prends ça. Ah oui, tu cherches plus. Ouais, mais c'est pas ce qui est intéressant au marché noir. Ouais. On peut visiter. Attention à toi quand même. Oui, c'est vrai que c'est pas... C'est... Ça peut être piégé le marché noir, c'est vrai. Il y a quand même des mobs. Oh, ah bah tu vois, regarde. Quand tu le fais... Ah non, c'est Aish qui est la tombe. T'avais le gant qui est intéressant et la cape. Non, l'objet qui est intéressant, c'était celui-là, là, que t'as là. L'ancle, justement. Ah, alors écoute, je sais qu'elle est très convoitée des joueurs, mais je sais plus du tout ce qu'elle fait. Elle te donne l'immortalité, je crois, je sais plus quoi, ou une vie... Ça te donne une vie, ça te permet de ressusciter. Oui, quand le jeu s'arrête, là, elle te dit, allez, hop, seconde chance, parce que Hank, c'est ça. C'est presque ça. C'est presque ça, d'accord. Ouais, c'est quoi ce pic tipi tiki qui est pas cool? C'est scandaleux. Oh là là. Donc tu tombes vite et que tu viennes vers l'échelle. Non, il faut que tu tombes ici, là, en vitesse. Oula, il y a des mecs en bas de Shaolin. De toute façon, tu vas être obligé d'y aller. Ah, tu vois, t'aurais une vie de moins. Oui. T'aurais pu prendre quelques bombes. Ouais. Oh, c'est parachute. Oula. Attention. Oui. Attends, je vais. Cash give me one jolene. Dandeline. Ah, cette configuration de. Ah, H. Ouais, le fusil en dessous. Ça vaut le coup pour le fusil? Je sais pas. Non, ça vaut pas le coup. Non, ça vaut pas le coup. Oula. Je me suis fait peur. Tu peux, avec la touche courir, tu peux accélérer même pendant que t'es en train de sauter. Ah. Intrigant. Ibi, ce jeu qui rend fou.
C'est quoi cette configuration de mort? La jungle est dangereux. Oh, un perso est débloqué. Que signifie? Non, c'est moi. Ah oui, c'est vrai. Un petit Seb est débloqué. C'est merveilleux. On fait quoi, chef? Chef. On aurait pu prendre ça, mais il y a le gros crapaud et les piranhas. Et ça, c'est problématique. Je pense qu'il faut qu'on descende. Regarde vers le bas. Regardons vers le bas. Comme ça. Ah, tu m'as pas laissé le temps de prendre la tuile. Non, je l'ai fait ninja. J'ai fait mon vilain. Mais surtout que j'avais tué l'araignée, donc il y avait rien. Et puis en plus, on avait un gros marchand plein de bombes à côté. Oui, mais je suis un vilain. Ah, oh, ce comité c'est d'accueil dégueulasse. Merde. C'est moi que tu veux faire péter, c'est ça? Mais non, tu me connais, mes crottes. Voilà, boum. Voilà, bam. Oh, j'aime pas ce qu'il y a en bas. Ah, putain. C'est dardard, ton truc. Aïe! Ça pique. Ça, ah. C'est vraiment très très chiant d'avoir qu'une seule vue pour chacun. Alors, oui. C'est malheureux parce que le nectar, mais il faut se débarrasser des bestioles. Oui, non, mais moi le nectar, j'en ai rien à faire. Hein. Et je l'esquive. Non, mais le nectar, tu sais que ça te donne 4 vies d'un coup. Ouais, c'est pas rentable. La dernière fois que j'avais eu du nectar, j'étais heureux. Bah, le problème, c'est que c'est très très chiant parce que ça te. Comment dire? Tuer les guêpes normales comme celle qu'il y avait. Donc, là, c'est juste que je me suis raté, mais si j'étais tombé dessus, bah, tu la one shot, c'est pas grave. Mais le problème, c'est la grosse guêpe qui est au milieu. Et elle, par contre. Mmh. Elle te pourrit vraiment la vie. Attends qu'il passe pour quick. Ouais. Mon basse-quiche. J'étais mort. Faut choper le blanc. M'occupe. Il me manque un. Il me manque un PV en plus. Ah bah voilà, c'est parfait. Bah ketchup que tu veux. Vas-y, enfuis-toi. Avec mon matos, évidemment. J'ai trébuché, chef. C'est moche. Trash. Ouais, je vais bien arriver à te retrouver. Bah oui. Oh oui, c'est vrai, je peux déclencher les pièges pour toi. Ça, c'est pratique. Je vais pouvoir me rendre utile. De la doudi, de la douda. Mais tu vois, en plus, t'es juste là. Eh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Y'a pas un autre piège à déclencher avant? Si, celui-là. Voilà. Oh, Mickey. Cette réincarnation si brutale. Ah non!
Oh merde. Oui, bah coup de bol. Parce que je voyais mourir. Je dis, il va tomber à la verticale, il va tomber dans la porte. Et bah tiens, mon cul. Parce que les... Les blondes, on va dire, pour faire plus simple, oui, ont 3 PV. Et les flèches en enlèvent 2. Oui, bah... Tant mieux que ce soit pas quick. J'ai fini de l'emballage. Ah, ça c'est pour toi. Miggy. Oui, je vais faire la bombe. Je me fais les chouiller. Oula, on a même pas de projectiles, ça craint. Tu crois que... Ah ouais. Bien vu. Prends la flèche cassée. Flèche cassée. Et tu peux la lâcher là pour déclencher la flèche. Oh, magnifique. C'était fabuleux. On ne voyait rien de ce côté. Je crois que tué le bon. Il se l'est tué en ouvrant le... Oui, c'est malheureux, mais... C'est pas grave, il servira toujours. Oui. C'est mûche, mais je le crois. Ah, c'est mental. Alors, attends. Merde, raté. On commence. Ouf. Ah bah non. Et je t'assomme plus, je crois, quand c'est moi qui suis fouette. Oh joli. Oui, la flèche fait, c'est ce que je te disais, la flèche fait 2 de dégâts donc. Joli. Mais passez-vous la blonde. J'ai pas fait attention. Ah, elle est là. Hein? C'est violent, monsieur. Oui, vous avez vu la subtilité? Il faut prendre la clé et aller au coffre, et non l'inverse. On ne peut pas prendre le coffre pour aller à la clé. C'est monsieur, mais c'est un génie. Alors, le blanc, t'as l'air à plat aujourd'hui. C'est mûche. C'est bon, c'est bon. J'ai réussi à choper un caillou. C'est très bien. Bon réflexe. Ouf. Oula. Alors ne jamais s'accroupir sur un autel de sacrifice. Sinon vous sacrifiez vous. Moi ça m'est arrivé accidentellement en pleine chute. J'avais accidentellement atterri violemment sur l'autel et pouf, la caisse va prendre. Et moi avec, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de monde. Mais bon, bref. Deux dégâts, la caisse prend qu'un point de dégâts. Oh. Donc tu peux la flèche continue. Flèche scandaleuse. D'accord. Boing, boing, boing. Je suis monté sur le char, monsieur. Oula. Oula, oui, comme tu dis. Très bien. Donc on aurait bien eu besoin de ton caillou. Mais j'ai des bombes. Bah, de toute façon, y'a rien. De toute façon, y'a rien. T'as oublié ton caillou? Oh oh!
déjà, c'est bon. Moi aussi, quoi. Aïe, 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 aïe. Tiens, boum. C'est ma revanche. Mon... Oh! Tous ces pièges. Je suis mort dignement. Et j'entrerai chez Dieu à tout jamais. Oula, cette vengeance. Ouais, enfin, c'était juste pour les bons. Hein. Non, mais c'est bien. C'est mille, c'est mille. Waouh. Waouh. Cette magie, il est mort. Je suis le fantôme. C'est rigolo. Hein? Déjà la jungle. La jungle? Oula! Oh le bordel! Ah ouais, dans ce genre de moment, t'es bien content d'avoir le marché noir. Attends, si je peux aider. Le pire, c'est que j'émets légèrement avec mon aura une légère lumière. Et merde! Ah oui. Alors, t'as laissé tomber? Oui, oui. Le mec est sur la gauche là. Ah. Eh ben dis donc, quelle aventure. J'y suis. Je me souviens plus si on a la boussole ou pas. Ouais, j'ai la boussole. Regarde-moi le prix par rapport à l'argent qu'on a. C'est du foutage de gueule. Il me manque $50. Oh putain, des piranhas. Un piranha. Et un autre. Bon, c'est pas très rentable de tuer un piranha en perdant 2 PV pour en récupérer un avec le chien. Souffle le singe, s'il te plaît. Oula. On va y arriver. De préférence doucement et tu voilà sur la droite. Pas vers moi. Non, dans l'autre. Ah d'accord. Voilà. Tu peux le souffler encore. Ah bon. Ah. Tain, mais c'est dur. Il y a une inertie en fait quand t'es fantôme. Je peux plus sauter, mais c'est bon. Eh merde.
Bah, il aurait peut-être mieux fait pas me piquer ça. Le bon est déjà mort. Hein ? Ah purée ! Tu viens de me faire perdre un PV. Ouais, j'ai... Je voulais voir quelle influence j'avais et finalement j'ai fait le mauvais moment. Et tout est concentré au même endroit. Désolé ! Là. Il y avait une commande de TP dans le... Il y a une fois, j'étais presque arrivé à la fin de la glace. Et sans faire exprès, j'ai récupéré un TP qui était sorti d'un coffre. J'ai appuyé sur le bouton, ça m'a TP dans le mur, ça m'a tué. Ça m'a fait une fois, oui, j'ai pas compris. Je me suis encastré dans le mur, oui. Alors, c'est bon, ça va se gérer. Mais... Ils sont générés de manière aléatoire, pardon, on parle en même temps. Vas-y, je t'en prie. Non, je dis ça. Ça va le faire. Tu vas essayer de descendre, peut-être. Voilà. Et reviens vers moi. J'ai même failli faire mourir lui. Alors, non, c'est pas ça que je voulais prendre. Non, Paul, t'es mort, mais t'es mort. Recule, descend là-bas. Oh merde. Un homme de feu. Ça éteint l'homme de feu. Ça sera en bien. Vite, vite, vite. Viens vite. Peur. Moi aussi, je me suis fait peur. Bravo. Oh la vache, je crois qu'on arrive à la glace là, non? Oh, ouais. Ça jette un froid. Ah, ça sent le poil mouillé. Passer vers moi. Ah. Comment ça, Reine des Ouïes ? Et putain ! Oh, le pire moment pour que la glace pète. Bah laisse tomber, c'est mort, tu peux pas passer par là. Si t'aurais une bombe, je t'aurais dit fais péter le sol et tu pourras récupérer le reste, mais... T'as
t'as pas de bombe. Donc, non. Ah, arène déverrouillée parce que le... Le... Si, vas-y, récupère. Avance, avance, avance. Là, tu vas plus glisser, déjà. Putain, faudrait... Réfléchissons. C'est quoi cette musique jazzy? Ah! Ça me fait peur, ce rebond de con. Oui, mais faut, de toute façon, il faut que tu prennes le rebond et que tu tombes juste là, là, en avançant tout doucement. Mais il y a les pics, je vais lever. Mais non, là où je suis, il n'y a pas de pic. Avance à peine. Il faut que tu avances juste une case. Voilà. Là, tu peux avancer. T'as un fusil, là. Voilà. Bah, avance jusqu'au bout. Ça marchera pas. Ouais. Putain, en plus, j'avais la colle. Putain, et puis... Et j'avais plus d'une dizaine de bombes, en plus. Non, bah, va jusqu'au bout et saute. Ça... Ah, tu peux pas monter. Bah, saute, là. Après, oublie pas de ta touche courir. Mais t'es retourné, abruti de truc. Oui, j'ai pas compris comment t'as fait pour tirer dans l'autre sens, mais... Non, mais le jeu avant de me faire à l'envers, oui. Ah, c'est ça. Dépêche-toi. Ah, tu peux pas, faut passer par la droite. Et il va y avoir le fantôme. Hein? Attends! Tu l'influences? Oui? Bah, vite, non, non, en bas, en bas, en bas, en bas. Allez, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi. Attends. Allez! Ah putain, mais pourquoi ça marche plus? Oh! Voilà. Tu le fais accélérer? Bah, je pensais que t'allais courir pour passer en fait. Bah, donc, non. Du coup, je l'ai poussé dans l'autre sens. Eh ben, quelle aventure. Bon, bah, c'était bien, Mickey. Ouais, c'est vrai que. Oh, on essaiera un autre jour, petit Seb. Mais c'était bien. Ah aussi. Oui, oui, c'était rigolo. Mickey, Mickey. Du coup, toi, tu continues à émettre sur ton canal aujourd'hui, petit Seb? Ah, mais je suis plus en stream, moi. Ah, mais plus du tout, du tout? Pas aujourd'hui. Ah, d'accord. Bon, bah, je sais pas, demain tu fais. Christella, elle fait demain, par exemple. Elle fait aux 16h20 demain. Demain soir, moi, normalement. Mm-hmm. Ça dépendra des gens. Parce qu'on attend une personne qui doit rentrer de vacances. Donc, si elle arrive à rentrer dans les temps et à être là, on stream. Et sinon, probablement que non. Ah. Bah, c'était cool. Merci, petit Seb. De rien. À la prochaine. Bonne soirée à toi. Merci d'avoir joué. À vous tous aussi, salut. Salut. C'est bien. C'est le bonheur. Alors moi, je vous mets des clips pendant, je pense, une bonne demi-heure. Faut que j'appelle la famille. C'est bon, saison estivale, du coup. Et puis comme exceptionnellement, je diffuse le jeudi. C'est un rythme un peu particulier, un peu bizarre. Qui que quoi. Ah oui. Il vous dit à tout à l'heure.